Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tester Léo Triceratops, enfin qui a été ajouté dans Pass of Titan. Donc on va voir ça directement. Alors excusez-moi, je suis un peu malade pour cette vidéo. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Disons que Google et YouTube, bah, pas d'arrêt de travail, hein, vous connaissez, hein. La Malaisie, on continue. Force et honneur, courage. Bref, on y va. Il s'agirait pour vous de mettre plein de pouces bleus à cette vidéo, évidemment, de s'abonner. Parce que je suis malade. Léo Triceratops, Damage. Ouais, il a pas mal. Ouais, bon, ça va être une tannée parce que il va courir à 2 à l'heure, c'est sûr. Il y a un masculin et un féminin, il y a quasiment aucune différence. Et après, il a d'autres... voilà, d'autres espèces. Hein. Il y a le Farinus. Voilà, c'est un Triceratops qui mange beaucoup de farine. Il y a le Aculeatus. C'est un Triceratops qui aime bien... voilà. Et il y a le Xerinsulatris. C'est normal, on va prendre celui-là. Voilà, j'ai pas de blague sur celui-là. Ok, on est dans le monde avec le bon Léo Triceratops. Vous voyez qu'il est plutôt gros, plutôt badass. Et on va déjà tester les cris. Ok, c'est pas mal, on voit les cris d'appel. Ça, c'est le cri gentil, du coup. Cri agressif, très bien. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez. Maintenant, on va tester la vitesse. Bon, évidemment... hein. Évidemment, évidemment, la vitesse, c'est pas ça. Mais c'est normal, hein, c'est une grosse bébête. Mais ça va. La stam, bon, et on va dire qu'il la vide quand même assez vite. Hein. On va dire qu'il la vide quand même assez vite. La rotation, elle a l'air plutôt bonne en course, notamment. Après, en marche normale, ça va. Avec le... bon, le halt, hein. Il doit être très très dur à combattre, hein, comme dinosaure. Bon, et du coup, la stam, ouais, ça va, elle se régène assez vite, on va dire. Et surtout, je le trouve vraiment très bien modélisé, très beau. Bon, bah écoutez, très bien, on a fait les petits tests basiques. Et maintenant, bah, on va voir le truc le plus important, ce qu'il vaut en combat. Il y en a pour 1h30, 2h avant de trouver quelqu'un. Oh, je suis où? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ces petits trucs là? C'est des montagnes, genre? Ah, ouais, non, il est terrible. Oh, ça va être long. Oh là 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 là, ça va être long. Non, mais pourquoi? Pourquoi faire des dinosaures aussi longs? Bon, alors attendez, on va collecter les branches. Merde, c'est pas la bonne touche. Paf! Et maintenant, je dois... ouais! Voilà. Ah, c'est trop bien. Ah là, c'est trop bien. Incroyable. J'y pense, mais en fait, là, ce machin là, ce petit triangle, c'est le nouveau système des grottes qu'ils ont mis en place. Donc écoutez, je suis à côté. Donc, on va aller voir ce que c'est. Ouais, tout simplement. Et en vrai, là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui est vraiment bien dans ce jeu. C'est ça. La marche automatique, c'est quelque chose qui est exceptionnel parce qu'en fin de compte, on prend le temps vraiment de jouer. Et du coup, c'est pas fatigant de jouer, c'est pas ennuyant. Alors peut-être que je dis ça parce que je suis malade et du coup, c'est dur de jouer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très bien, cette marche automatique. Bon, écoutez, on va aller voir ces grottes, hein, ce que ça a donné. Il y avait un petit truc où il y avait marqué entrée, mais j'ai envie d'aller voir comme ça, là, ce que ça donne. Ah. Bah, on rentre quand même. Alors ça, c'est chez moi. Non? C'est chez moi, non? Local quest? Je sais pas. Ouais, ouais, bah, en gros, là, ça, c'est un endroit où je pense que je suis à l'abri, quoi. Genre, là, mon dino est complètement à l'abri. Qu'est-ce que... comment ça marche? Du coup, avec vous, je suis jamais allé. Là, il y a une petite icône. Il est tellement lent, quand même. Alors, customize, exit, invite friend. Customize. Buy décoration, buy rooms. Place décoration, customize rooms. Reset all. What? C'est cher. C'est hyper cher, c'est des malades. Ok, bon, on peut rajouter plein de trucs, des tunnels et tout. En vrai, ça a l'air pas mal, quand même, comme système. En vrai, ça peut être cool, hein. Ça peut être vraiment pas mal de faire un truc comme ça. Ok, on peut acheter des petites fougères. Ça fait quoi si j'achète petite fougère? Ok. Place décoration. Ok. D'accord. On va mettre une petite fougère ici. Je découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Alors, place. C'est incroyable. C'est une bonne idée, écoutez. C'est quand même une bonne idée. Bah, c'est vrai que je préférais qu'il rajoute un peu plus de gameplay. Mais ça reste une bonne idée. Le problème, c'est le prix. Et le prix, voilà, moi j'ai fait quelques quêtes, j'en ai fait deux comme ça. J'ai gagné 175 en tout, je crois, au début. Mais voilà, on gagne, je trouve, pas énormément. Et donc du coup, bon, ouais, c'est sympa, mais
En fait, vu que les quêtes sont un peu ennuyantes, bah t'as pas trop envie de le faire en vrai. Mais sinon, c'est une bonne idée. Franchement, c'est une bonne idée. C'est quelque chose de très original. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà joué? Est-ce que vous avez réussi à faire des trucs un peu intéressants avec? Ou si vous trouvez que vraiment c'est trop cher et à cause des quêtes qui sont trop nulles aussi, trop compliquées à réaliser comme objectif quoi. En vrai, là, je me dis, cette grotte ici au milieu du lac pour les Spino ou les Deinons, c'est incroyable. La pose, elle est trop bien. Bref, bah on va aller ici et on va essayer de se péter, c'est le but. Oh, j'ai trouvé un Maitria. J'ai envie de le défoncer. Il me crie dessus en plus, il me fait des calls agressifs. J'ai essayé de le backstab par ici, mais je crois qu'il m'a capté. Il s'est clairement barré. Bon, après, il a peut-être raison. Hein. Je me dis, peut-être qu'il fait pas le poids. Je pense que Léo Triceratops, c'est le truc le plus puissant du jeu, j'imagine. Hein. Le... Oh! Oh bah toi alors! Vas-y, viens te battre! Jamais il va oser venir. J'aimerais bien juste qu'il me frappe, juste pour les dégâts qu'il me met. Vas-y, viens! Mais viens là! Il est coincé là! Voilà, dégage! Ouais, non, je pense que lui il a déjà dû s'en prendre des coups des hauts triceratops. Et il sait très bien qu'il faut pas. C'est très bien qu'il faut pas. Trop dangereux. C'est trop dangereux. Y'a quoi là? Oh, y'a bagarre! Ouais, je vais foncer dans le tas! Ah, je l'ai démonté, vous avez vu comme il était tout rouge? Il était tout rouge d'un coup. Il est où le concavenator? Ouais, je défends les concavenators moi. Je suis gentil. Je suis gentil avec toi gros, je t'ai venu te protéger. N'aie pas peur comme ça. Et ouais. Eh, je suis hyper grand face à lui. Hein. C'est incroyable comme je suis grand. Je suis gentil, regarde. Je viens de te sauver la vie, mon gros. Eh ouais, vous faites quoi, vous? Vous approchez pas du conca. Voilà, petit conca. Oh, j'ai quand même fait super mal. Bon, j'ai l'impression que je fais pas de saignement. Je le tue pas, je le tue pas. Je l'ai protégé, c'était juste pour tester. Je suis désolé, frérot. C'est quand même punching ball. Mais c'est le test, c'est le test. Maintenant, je fais des tests sans tuer. Ouais, j'ai changé. Je suis plus un meurtrier. La bagarre. La bagarre. La bagarre. Fais quoi, lui? Voilà le tasse plus là. Viens. Ouais. 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 Voilà ça. Mais mort moi. Regardez, il me fait rien, mais les coups que il me fait que dalle. Waouh. Waouh. J'ai juste croisé comme ça. Hein. J'ai pris le rack en 2 secondes. Je le voyais pas, on voit rien. Oh. Trop fort. Trop fort le Léo Triceratops. Non mais ouais, non mais par contre c'est abusé quoi. Je cours plus vite qu'un Dasplay. Je suis 10 fois plus fort que lui. Ah non, c'est vraiment abusé. Tiens, mange petit. Mangez les petits. Bah par contre vraiment je croise quasiment personne. En vrai là ça fait 1h30 que je joue. Bon, le mec qui jouait Dasplay doit pas être très content hein. C'est vrai que j'avais dit que je tuais pas. Mais je savais pas que j'allais le tuer. En vrai je voyais rien, on voyait pas les dégâts. Tu vois, il y a des dinosaures. Après il est quand même passé très près de moi. Il faut pas passer si près d'un dinosaure aussi vénère que celui-là. Non. Et moi ça m'est arrivé dans la vraie vie. J'étais beaucoup trop proche d'un yak ou un zébu. Il fait quoi lui? Il est fou quoi. Et il m'a attaqué direct. Hein. Mais vous êtes fous? Oh oui. Mais vous êtes fous? Ils font quoi eux? Genre je l'ai pas tué là. Oh, il s'accroche à moi? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Et s'ils arrivent à me tuer, en vrai ils sont incroyables. Bah non. Bah non, justement ils arrivent pas. Là tu vas faire comment mon pote? Voilà, t'as essayé de m'attaquer, t'es mort toi aussi. J'avais dit que je tuais pas. M'attaquer, vengeance. On sait tous que les animaux se vengent. C'est leur caractéristique principale, les animaux, la vengeance. Bref, nous on veut du sarco. On veut des sarcos. On veut des sarcos. On veut
C'est ça, Arco. Mais du coup, par contre, il va falloir penser peut-être quel carnivore pourra être le prédateur de ce machin. Parce qu'en vrai, là, ça m'a l'air très compliqué. Hein. Le Sarco, bah, il pourra pas le tuer. Je pense que c'est clair et net. Le Dasplay, il y a le Spino. Mais le Spino, c'est pareil, je suis pas sûr. Hein. Voilà. Bah, je vous reprends la prochaine bagarre. Sarco. Le Sarco, là-bas, on va se le péter. On va se le péter, lui. Mais vous voyez, quand même, en comparaison au Dasplay, comme je suis gros, c'est incroyable. Et lui, là-bas, on va éclater, on va voir qui est le plus fort. Voilà, en face to face. Tout simplement. Bravo. Alors, toi, tu veux quoi, là? Ouais, il me fait aucun dégât. Il me fait aucun dégât. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. What? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? What? Je me fais bolosser partout. Empoisonné. Bon, après, je suis vraiment allé en face. Hein. Je l'ai tué. En face to face, je l'ai tué. Ok. Ouah, ça lag à la mort. Hein. Vas-y, tous sur moi. Aïe. On va recommencer, c'était drôle quand même. Bon écoutez, ils m'ont encore fait spawn à 300 km. On va y retourner parce que j'ai envie de tester ça contre un Spino quand même. Mais on voit vraiment qu'en face à face contre un Sarcosuchus, bah, l'Eutriceratops c'est beaucoup plus fort. Après, il y a quelques bémols, c'est qu'il met pas de saignement, j'ai l'impression. Je sais pas, à vérifier. Autre bémol, il a pas de charge aussi. C'est un peu dommage pour un dinosaure comme ça. Bref, on va y retourner. Je vais essayer d'affronter un Spino. On va faire en sorte de pas avoir tout le monde contre moi. On verra bien. En discrétion. Personne ne me voit. Tapis dans l'ombre. L'Eutriceratops attend son heure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a tout le monde qui gueule? Personne ne me voit là. Hein. Là, vous croyez qu'il me voit, mais il me voit pas en fait. Ouais, comme ils ont peur de moi. C'est incroyable ça. Ça me fume. Bon, bref, je pense qu'il est temps de foutre le chaos un peu, non? Allez, on va tester ça sur lui là. Ouais, j'ai testé. Ouais, il m'a mis des buffs. Ah, il est trop fort. Regardez comme je tank. Hein. C'est abusé. Hein. C'est abusé comme il est fort. Non, il est vraiment trop fort. Hein. Il est trop fort, le Triceratops. C'est abusé comme il est fort. Il a une rotate de malade. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Ah, lui, il est mort. Non, beaucoup trop fort. Bon. Bon, le Spino est vraiment tanky, en vrai. Mais, bon, il y a tout le monde qui me tapait. Donc ouais, désolé j'ai vrillé mais je suis obligé de tester, c'est pour le test. Désolé à toi le Succo, vraiment. Bon, pour conclure cette vidéo, définitivement, le Triceratops c'est clairement le dinosaure le plus puissant du jeu, je pense de loin. Vous avez vu comme il tank, vous avez vu comme il fait mal. Là il y avait tout le monde sur moi, évidemment au bout d'un moment je meurs quand même. Mais il me faisait aucun dégât quasiment. Bah, après voilà, moi c'est pas mon style de gameplay, vous me connaissez, je préfère quand c'est un peu plus dynamique. Mais je sais que ça peut plaire à beaucoup de personnes d'avoir un dinosaure aussi puissant que ça entre les mains. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que je suis malade en plus, donc ça c'est important. Et abonnez-vous parce que je suis malade aussi en plus. Et commentez parce que je suis malade aussi. Donc. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est...